visiter la Renade. C'est une peur retournée dans la tempe à une époque où l'abondance de la terre et de la mer suffisait presque à ronger tout le monde heureuse. La Renade, île des Caraïbes, fut découverte par Christophe Colomb en 1498. Il lui donna le nom de Conception. Après la vente de l'île par les Espagnols aux Français, ceux-ci la rebâtisseront en Granada, ou appelée aussi l'île aux Espices. L'île est implantée dans le sud-est de la mer des Caraïbes. L'île fait 311 km² avec une largeur de 18 km et une longueur de 34 km. C'est une île volcanique, mais l'activité volcanique n'est qu'océanique à présent. Pour se rendre sur l'île, l'avion avec le débarquement à Mars Bishop International Airport où le bateau est accostage à Saint-Georges. L'économie locale est le tourisme, mais aussi les plantations. La Renade est une île productrice de muscade et de cacao. Les bananes étant soumises à une réglementation d'exploitation, cette ressource ne servira que pour l'île et donc le plat créole. Comme l'île de la Renade s'appelle aussi l'île aux Espices, les touristes pourront découvrir de nombreuses espices telles que la muscade, la cannelle, le gingembre et la vanille. L'humeur est joyeuse et relaxe dans la minuscule île de 350 km² malgré l'important traumatisme vécu il y a 4 ans. L'ouragan Ivan, d'une rare violence, a endommagé 85% des maisons et la plupart des hôtels, en plus de déraciner des milliers de muscades, dont la noix assure une bonne partie de revenus du pays. Afin de ne pas ternir les attractions touristiques jouées ou infrastructures hôtelières de l'île de Grenade, le gouvernement de la Grenade a décidé de protéger une portion de l'île pour y installer des parcs naturels. Comme il est l'un des joueurs de la Caraïbe, les touristes sont de plus en plus sollicités pour favoriser les activités d'écotourisme. Pour l'heure, les visiteurs peuvent être rassurés. La Grenade n'a rien à voir avec les îles tropicales bondées de tout inclus. Elle se dit par sa beauté et surtout son charme bleu sans artifice. Les paysages montagneux, héritages d'anciens volcans, sont couverts presque intégralement d'une végétation luxuriante. Les pages de sable fin, blanc ou noir, sont immaculées et toutes ouvertes au public. La mer est d'un bleu turquoise et offre des zones de plongée spectaculaires. On peut parcourir l'ensemble du pays en voiture en une journée, en périple, qui donne parfois mal au cœur tant les routes sont étroites et écapées. Tout au long du chemin, on croise des lieux dont le nom français évoque le passe pré-britannique de la Grenade, Grandonce, Lance aux Épines, Chenoura. Des sangs aussi sociables et décontractés que leurs concitoyens à deux pattes. L'île, comme tout l'île de la Caraïbe, offre des endroits mémorables pour leurs familles. La plongée sous-marine et des promenades au lever au chevet du soleil. C'est l'île où les amoureux gastronomes pourront apprécier les délices des espices en tout jaune, découvrir les plats typiques créoles ou se trouver sous le somme blanc des ventes au cocktail rhum des îles en regardant le soleil de Sosuke. L'île est chargée d'histoire avec les successifs empreintes du colonialisme français, anglais et espagnol. De nombreuses façons en cours de restauration, les maisons d'époque subsistent ainsi qu'une des dernières distilleries de l'écolonialisme. Cette île de Grenade est connue sous le nom d'île aux épices partout dans le commerce des épices au XVIIe siècle.